Et les réactions au dispositif du gouvernement ne se sont pas fait attendre. D'abord, celle des syndicats. Lionel Jospin, en préambule, a réaffirmé qu'ils étaient bien les partenaires naturels de la négociation. Il y a du positif parce qu'elle porte un certain nombre de mesures d'urgence immédiates qui ne sont pas négligeables, même si on pouvait considérer qu'elles auraient dû être plus fortes, mais surtout parce que ces premières mesures s'insèrent dans toute une série de chantiers que le ministre annonce et qui vont constituer autant de champs d'intervention pour persévérer et faire en sorte que des réponses à la fois plus fiables, plus durables et correspondant plus à ce qu'attendent les chômeurs se construisent. 1 milliard, ça n'est pas rien. Oh, c'est pas suffisant, il en faudrait beaucoup plus. Néanmoins, ça permettra de prendre en charge ceux qui sont dans les circonstances et dans les situations les plus désespérées. Ça ne règle pas le contentieux pour autant, il faut le dire clairement. Mais il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il pouvait faire. Et je pense que ce n'est pas négligeable. Maintenant, il reste le reste. Et le reste, c'est surtout essayer d'offrir aux chômeurs un travail plutôt qu'une allocation, aussi bonne soit-elle.